Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer une vidéo un peu particulière puisque tout simplement je vais vous parler du off de la chaîne, ce qui vous attend, ce que j'ai l'intention de faire. D'abord je voudrais vous remercier pour votre fidélité puisqu'on a largement dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne, que certaines vidéos ont déjà été vues plus de 5000 fois. C'est vraiment au-delà de mes espérances et vraiment c'est cool. En particulier, je vais remercier tous ceux qui ont participé au Ulule puisque c'est ce qui me permet de filmer aujourd'hui avec cette caméra, l'objectif et le micro. Parce qu'en fait, mon autre caméra, elle est juste cuite. Il y en a même qui m'ont demandé s'ils pouvaient encore participer alors que le Ulule est terminé. Alors pour cela, j'ai mis en place une page Tipeee. Si vous ne connaissez pas, en gros, quand vous regardez une vidéo qui vous plaît, vous pouvez laisser un tip et puis donc une somme de pas grand-chose à énormément, si ça vous plaît. À quoi ça va me servir? Eh ben, à payer des coûts. Non, plus sérieusement, ça peut servir éventuellement à m'aider à faire certains déplacements pour des interviews, par exemple, des choses comme ça. Sur la chaîne elle-même, vous l'avez vu, j'ai essayé d'alterner des vidéos assez travaillées avec un contenu qui m'oblige à pas mal de préparation de l'ordre de 15 minutes. C'est la série Quoi de neuf Docker. Et sinon, des vidéos un peu plus courtes qui sont plus, on va dire, d'actualité ou juste de déconne. C'est ce que je mets dans les flashs, voire les inclassables. L'idée étant de vous proposer quelque chose d'assez régulier. Je vais essayer à ce que ça ne se fasse pas au prix d'une dégradation de la qualité. Sur la vidéo cocktail, par exemple, vous avez été très nombreux à me signaler la qualité juste lamentable du son. J'en étais parfaitement conscient et je sais très bien qu'on peut faire tout ce qu'on veut en termes de captation vidéo. De toute manière, c'est le son qui compte. Soignez le son, nom de Dieu! Bien que l'image soit importante, le son l'est encore plus. Car vous pouvez avoir une image dégueulasse. Si le son est bon, ça va. Par contre, si le son est inintelligible, personne ne s'intéressera à ce que vous racontez. Malheureusement, vous l'avez compris, j'étais en déplacement. Donc j'avais pris l'équipement minimum et entre le petit micro cravate et le bruit ambiant, c'était un peu la catastrophe. Enfin bref, j'ai retenu la leçon, donc je vais essayer de corriger ça pour les prochaines vidéos pour éviter de retomber dans ce travers là. Donc là typiquement je fais un essai d'enregistrement en extérieur, on va voir si la bonnette anti-vent fait son effet. Je ferai aussi, parce que certains m'ont demandé, une vidéo pour expliquer l'envers du décor, autrement dit le temps que ça me prend, ce que j'utilise comme soft, comme matériel, ainsi de suite, vous faire un petit retour d'expérience. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont tentés de se mettre sur internet aussi, alors viendez les copains. En tout cas, il y a une super dynamique sur la chaîne et c'est vraiment super. Je reçois régulièrement des propositions sur des sujets ou juste des encouragements. Alors il y a un peu tout et n'importe quoi, je vais avoir vraiment du mal à traiter ça correctement. J'essaye de suivre une logique dans la chaîne. Oui, c'est pas forcément flagrant. Quoi qu'il en soit, encore une fois, merci de votre fidélité, de votre participation active. Alors sur ce qui va se passer par la suite, bon bah évidemment je vais continuer les vidéos. Le mois de mars risque d'être un peu plus calme parce que je prépare le Bryce Camp et ça me bouffe pas mal de mon temps libre. Donc puisqu'on parle du Bryce Camp, il y aura une vidéo live, donc ça sera un quickie de 15 minutes. Donc pour celui-là, je préparerai déjà les images et en fait j'enregistrerai la bande son en live. Et je serai également à Devox avec Christophe. On va faire ensemble un tool in action où on va présenter Docker sur ARM. Donc vous vous doutez qu'on va faire joujou avec des Raspberry Pi. Et là par contre, je filmerai pendant la session de manière à pouvoir faire un montage qui soit un peu plus compact pour le diffuser sur le net. Alors je pense faire de temps en temps des petites vidéos comme celle-ci, peut-être pas tous les mois, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de les regarder de toute manière. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires sur la chaîne ou bien via Twitter, puisque j'en connais parmi vous qui n'apprécient pas tellement de vendre leur âme à Google. Bref, n'hésitez pas à me pousser des informations, à me corriger quand je fais des erreurs, parce que oui, j'en fais même pas mal. J'ai eu la chance d'avoir les commentaires d'un committeur Docker sur l'épisode Docker Breaking Bad, et c'est extrêmement intéressant justement d'avoir ces réponses et du coup les pointeurs qui vont avec. Bref, merci à tous, continuez à m'aider à faire vivre la chaîne en la partageant avec vos collègues, avec vos amis, avec qui vous voulez. Et moi je vous retrouve très bientôt dans la petite lucarne, bye.